Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo qui va être une night routine. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. Donc je commence tout simplement par sélectionner les vêtements que je vais mettre. Donc je passe franchement longtemps à les choisir parce qu'avec la grossesse il y a pas mal de choses qui ne me vont plus. Mais bon, j'aime bien moi tout préparer avant d'aller me doucher. Ensuite, place à la salle de bain. Donc je commence par me démaquiller. Donc pour ça j'utilise une lingette démaquillante, enfin ou du moins torchon, enfin comme vous voulez, que j'avais acheté à Stokomani pour même pas 1 euro je crois. Et c'est super efficace, ça enlève vraiment très très bien le maquillage, même le waterproof. Et ce qui est bien avec ces produits là, c'est que vous n'avez plus besoin d'acheter de démaquillant. Vous avez juste à le passer sous l'eau, vous démaquillez. Et une fois que votre serviette est sale, vous la mettez dans votre machine à laver et elle ressort vraiment toute propre, prête à être réutilisée. Entre-temps, j'ai douché mes enfants et on a mangé, je vous ai épargné ces détails-là, et on file dans la salle de bain pour se brosser les dents, c'est quelque chose de très important. Beaucoup de gens négligent cette étape-là, mais l'hygiène buccale, c'est ce qu'il y a de plus important, je crois. Ensuite je mets mes enfants au lit, donc en règle générale il est 20h30, 21h, ça dépend, mais quand ils ont école c'est vraiment entre 20h et 20h30. Donc je viens fermer les volets à ma fille et je viens lui faire un gros bisou. Et je fais également la même chose avec mon fils. Une fois que tout le monde est au lit, c'est là que j'en profite pour aller à la douche. Donc ce jour-là, je devais me laver les cheveux, donc j'utilise le Color Vive de chez L'Oréal qui est conçu donc pour les colorations. J'aime beaucoup, beaucoup ce shampoing. En plus, il sent super bon, il lave bien, il rend les cheveux doux, donc c'est parfait. Et au niveau du prix, c'est vraiment pas excessif. Je me lave le corps avec le gel douche Roger Cavaillès, pardon, qui est un gel douche que j'aime beaucoup, qui respecte vraiment la peau. Et moi, j'en ai vraiment besoin parce que j'ai tendance à avoir la peau très très sèche. Nettoyant purifiant de la marque Rivadouce que j'utilise avec une petite toupette. Une fois terminé, je prends de la marque Mustela. Donc en fait, c'est une crème tout simplement conçue anti-vergiture. Donc comme vous voyez dans la vidéo, j'ai quand même déjà eu des vergitures dues à ma première grossesse. Mais si je peux éviter d'en avoir, ça serait cool. Et ça sent vraiment super bon. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette crème. Ensuite, place aux cheveux. Donc là, je viens tout simplement les essorer un petit peu avec la serviette que j'ai achetée à Action ou Stokomani, je crois. Non, Stokomani, j'aime beaucoup. Ça permet vraiment d'absorber toute l'eau. Et je viens tout simplement donc me les démêler. Je viens mettre donc tout simplement une crème huile sans rinçage de chez Desange. J'adore beaucoup ce produit, il sent divinement bon. Ça me permet moi voilà, de donner une odeur comme ça assez agréable à mes cheveux. Et puis je sais pas, j'aime beaucoup mettre ça dans mes cheveux. Je viens me faire un petit chignon tout simplement pour m'occuper de mon visage et éviter d'avoir les cheveux sur le visage. Donc de la marque Rivadouce, j'utilise une lotion qui matifie la peau, donc je viens tout simplement l'appliquer partout, c'est très frais, donc moi j'aime beaucoup mettre ça sur mon visage, ça me permet de parfaire vraiment le nettoyage de ma peau. Et je viens utiliser un sérum de la marque Caudalie et une crème soin matifiant, donc je viens mélanger les deux et je viens tout simplement mettre ça sur mon visage. L'hydratation de la peau est vraiment très importante. Je vais mettre un
contour des yeux, donc celui-ci j'en suis pas très fan, je vois pas trop la différence, mais bon, quand je commence un produit j'aime bien le terminer, donc je l'utilise. Et pour terminer, je viens utiliser le de chez Nuxe, le Rêve de Miel, qui est tout simplement un baume pour les lèvres. J'aime beaucoup, mais c'est pas mon préféré, mais j'aime quand même bien l'utiliser. En plus, pendant quelques temps, j'avais eu quelques gerçures, et c'est vrai qu'en quelques jours, grâce à ce produit, mes lèvres se sont vite réparées. Une fois terminé, place à la détente, donc j'aime caler dans mon lit, je prends la manette de la Xbox tout simplement parce qu'en fait je regarde mes films via la Xbox. Donc je vais sur un site, je ne me rappelle plus trop le nom, je vous essaierai de vous le retrouver en barre d'infos, c'est Full Streaming je crois, et je viens tout simplement sélectionner le type de film que je veux regarder et je vais tout simplement regarder ce film là. Moi j'aime beaucoup faire ça le soir et en plus de ça, ça me détend. Une fois le film terminé, je check un petit peu donc Facebook, Insta et place au dodo. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très très vite. Ciao ciao !